بسم الله الرحمن الرحيم. C'est aux citoyens de décider du pas à faire vers un meilleur avenir. C'est la jeunesse qui, demain, prendra les rênes de la gouvernance. Il faut qu'elle puisse repenser le monde à travers une nouvelle vision, se donner de nouvelles missions, envisager de nouvelles actions. C'est par manque de foi qu'on n'avance pas. L'ignorance, la peur, le souci du lendemain, tout cela est négatif. Soyons positifs. Et autour de nous, il y aura de plus en plus de choses positives. C'est toujours l'espérance en l'avenir que nous devons porter en nous et transmettre aux générations qui nous succéderont, même dans les moments d'épreuve. Rester ouvert à cette espérance est un impératif exigé par les multiples défis liés à notre époque, auxquels plus personne ne peut échapper que nous soyons musulmans, juifs, chrétiens ou athées, si nous voulons construire un monde meilleur qu'aujourd'hui. Ce monde est inscrit dans la finitude, dans une transformation perpétuelle et continue. Ce jour qui s'achève aujourd'hui ne reviendra pas dans notre vie. C'est un autre jour qui débutera demain. Comment allons-nous l'écrire? Quelle empreinte allons-nous laisser? Chacun de nous contient en soi les 26 lettres de l'alphabet. Chacun a la capacité d'écrire le monde, soit on utilise les lettres A, M, O, U, R, soit on choisit d'autres lettres qui signifient le contraire, telles que la haine ou violence. Tout est possible. Un être est capable d'écrire le monde. Il peut l'écrire en négatif, tout comme il peut l'écrire en positif. Dans un monde en pleine mutation, où les crises énergétiques, écologiques, financières, alimentaires et morales créent l'angoisse et le désarroi, nous avons le devoir d'imaginer un nouveau projet humain. Éduquons nos enfants à rêver le monde de demain. Il est du devoir impératif des parents et de la société de transmettre le savoir et la connaissance afin de développer les potentialités intellectuelles de l'être humain. Cela dans le but de faire de lui un élément constructif au sein de la société. Il faut repenser le monde d'une autre façon. Notre société a besoin de développer les valeurs de courage, de générosité et d'honnêteté. Il faut sortir de l'emprise du mental pour voir le monde tel qu'il est. Il ne faut pas d'un côté répandre la peur et dire aux jeunes « Vous n'avez rien à espérer, nous allons vous laisser des dettes, un monde pollué, plein de conflits. » Et de l'autre côté, exciter leur ego par des plaisirs éphémères. Ne leur donnons pas du prêt à penser, une forme de matérialisme stérilisant. Nous devons lutter contre une vision strictement économique du monde, laisser une part aux rêves et aux espérances. Il nous faut ouvrir le débat au-delà des tabous et des idées reçues. Retrouver en nous le sens de la fraternité, être déterminé à construire un avenir de paix, de beauté et de dignité. Regrouper les forces de tous ceux et celles qui croient en la famille humaine. L'espoir est en nous, il faut porter cette vision. L'avantage du négatif, c'est qu'il nous pousse vers l'avant. Je rencontre parfois des politiques et des économistes qui décrivent un monde en crise, où les problèmes deviennent insolubles et les guerres inévitables. Je leur répète la parole de nos maîtres, si on vous annonçait la fin du monde pour demain, que feriez-vous? Continuez avec confiance à planter et semer, sans affolement ni crainte. Donc, faisons ce que nous avons à faire, plantons et semons l'amour, l'espoir et la fraternité, quoi qu'il advienne, même si la fin du monde est pour demain, tant qu'il y a une minute. Il faut l'exploiter positivement. Peut-être que demain sera un autre monde qui nous surprendra. Demain, l'être humain sera universel, ou bien transformé en une sorte de machine pensante.
Si on veut garder l'humanité en nous, c'est dans l'universalisme que se trouve l'avenir. L'univers entier est fait d'une seule et même substance, qu'elle soit énergie ou matière. Même si elle se manifeste à nous des formes multiples, cette unité est à la base de la création. La haine n'est rien d'autre que moins d'amour. Et l'amour, c'est moins de haine. La peur ou le courage, c'est exactement la même chose. Le bien et le mal, c'est exactement la même chose. Le mal, c'est moins de bien. Et à l'inverse, le bien, c'est moins de mal. C'est tout. La vérité n'est jamais là où nous croyons. C'est pourquoi il est important de relativiser, de ne pas se laisser enfermer dans des vérités toutes faites. La vie est une mélodie pour celui qui sait l'écouter. Notre vie entière est faite de joie, de peine, de cris, de pleurs, de rires et de contemplation de ce qui nous entoure. Le fait de mettre le sacré au cœur même de nos existences change notre vision du monde, ainsi que notre rapport à autrui. Le monde d'aujourd'hui est un monde où la peur règne. Il est urgent de développer la confiance. Le monde de demain se construit l'un avec l'autre, et non pas l'un contre l'autre. Le monde est en éternel mouvement. Le monde n'est pas si mauvais, le monde ne va pas aussi mal que certains veulent bien nous le faire croire. Le monde a toujours été un monde de tumulte, de bruit, où la force aveugle était présente. Le meurtre était présent, la négation était présente, la folie était présente. Et malgré la présence de tous ces états négatifs, l'homme, la femme s'éveille et se lève. L'homme, la femme s'éveillait et s'élève. Le monde minéral, végétal et animal doit avoir droit, à nos yeux, à la même considération et au même respect que les êtres humains. Quand notre perception est négative, la société se transforme en quelque chose de négatif. Ne critiquez pas la société et travaillez plutôt pour qu'elle change dans un sens positif. Regardez ses bienfaits plutôt que ses lacunes. Soyez reconnaissants. Nos enfants sont les trésors de demain. Nos pensées forgent le monde de demain. Nous avons une vision d'un monde où la famille humaine dans sa diversité linguistique, religieuse, philosophique, culturelle pourrait se réconcilier et créer des liens dans la dignité et l'égalité. Une humanité consciente, une et indivisible qui deviendra peut-être un jour une personne juridique, politique et sociale. Nous sommes un univers en miniature. Quel visage pourrait avoir le monde de demain? Un monde où la confiance règne. Quand on voyage, on ne sent pas peur. La générosité est partagée. Le pauvre ne se sent pas exclu. L'avoir et le paraître ne dominent pas. Un monde dans lequel on connaît tout simplement nos limites pour ne pas tomber dans l'arrogance. Repensons notre vision du monde autour d'un cercle et non autour d'une pyramide, où il y a une élite qui possède les avoirs, les savoirs et les pouvoirs et qui dicte sa volonté à la majorité, c'est-à-dire la masse, qui docile l'homme l'accepter, qui si elle se révolte, se trouve punie. La nation du cercle, c'est que chaque point qui le compose est à égale distance du centre. Rêvons d'un monde meilleur et plus juste, un monde qui malgré la mondialisation a un cœur, une âme et une énergie qu'on appelle amour. Oui, c'est un rêve, mais le rêve partagé peut devenir un jour une réalité. Un être humain est d'abord une conscience, et celle-ci augmente ou diminue en fonction de son attachement aux valeurs d'éthique, de justice, de solidarité et de paix. Si on prend les lettres de l'alphabet, chacune se prononce différemment. Une fois unies, elles permettent d'écrire soit des déclarations politiques, des lois, voire même des diatribes ou des mensonges, soit des lettres d'amour, de la poésie ou des textes sacrés.